Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je passe un bonjour à toute l'équipe de Racing.fr. Je suis désolé pour la qualité d'image parce que je le filme avec mon téléphone. Donc voilà le projet du compteur de 406. Il est allumé. Vous voyez bien. Là, la connectique à la va-vite. L'heure. Le bouton, regardez bien. Déjà l'heure, ça s'éteint et ça s'allume. Je sais que c'est pas le bon bouton que j'ai mis parce que j'ose pas trop le faire avec l'interrupteur à clé qui se trouve dans ce boîtier là que j'ai acheté d'un russe sur eBay. Je vais me servir de ça parce que là apparemment c'est un courant continu et que là c'est un courant non continu. Je pense plus que ça irait dessus. Le compteur, ce que j'ai fait, j'ai mis un plus au compteur et le moins à la carte. Là, c'est un plus et un moins. Là, vous voyez toutes les jauges avec le compteur. Moi je vais vous faire montrer, je rappuie un coup. Je vais rappuyer un petit coup. Là je reste appuyé. Vous voyez. Et là je relâche. Il se rallume. Vous voyez? Et la prise, je sais pas si vous voyez, vous avez vu, quand j'appuie sur le bouton, le courant, apparemment c'est pas le bon bouton, c'est un bouton avec un courant non continu qu'il faut, je pense. Un type de courant qui vient et qui part. Voilà, c'était pour vous faire montrer comme quoi que j'avais réussi quelques étapes de ma création, de mon projet de CMU. Petit message, je remercie toute l'équipe qui m'ont aidé. Vulbas, tout le monde quoi. Surtout Vulbas et les autres membres. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonne journée et bonne vidéo sur YouTube.